Famille, apparemment le président Ouattara n'est pas ivoirien. Et bien la preuve elle est là. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Doux, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Saint-Doux faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père, Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession, propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Saint-Doux. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme. Et c'est comme ça que mon père, donc, est devenu chef de village à Saint-Doux. Bien qu'étant chef à Saint-Doux, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien, que voici. Établi donc le 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité, établie le 20 mars 1963 à Dimokro, par le commissaire de police de l'époque, et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban, dans le département d'Ogéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Gbeleban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Mon grand-père maternel est bien ivoirien, donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier. J'espère que c'est clair. La famille, ça c'est la partie 1. Si vous voulez la partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.